Good morgen, allez, Yidan les Sussra aujourd'hui, le Nishmat, Richard Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal et Avraham Ben Shushan. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions Masechet Rosh Hashanah, Perek Bet, Mishnah Hei. Chatser Gdola Haïta Birushanaim, Uvet Yazek Haïta Nikret. Ou le Sham, Kol Haïdim Mitkanzim, Uvet Din Bodkim Otam. Sham. Ou d'autres Gdolot aussi, même Bishvil Sheyu Regil Melavo. Barishona lua yuzazin misham kol hayom. Itkin Rabban Gamliel, azaken, sheyu mehalchin alpaim amalechol ruach, velo elu bilbad. Ela af achachama abba le yaled, baba la tzil mina dleka, ou mina gais, ou mina nahar, ou mina mapolet, ve are elu kol kianchaïr, vieshlem alpaim amalechol ruach. Je traduis directement, on reprend maintenant le cours des témoignages des témoins qui arrivent à Yerushalayim. Voilà, on avait fait une petite pause en fait, parce que comme je vous avais déjà dit, qu'en fait, la Mishnah en général s'occupe toujours de tout expliquer chronologiquement, sauf quand concrètement on est entré dans un détail, donc du coup la Mishnah va s'attarder sur ce détail, mais après on reprend le cours. Là en fait, fin de la Mishnah Aleph, on avait parlé des Edim qui viennent à Yerushalayim, maintenant on va parler de leur réception à Yerushalayim. Et la Mishnah me raconte. Il y avait une grande cour à Yerushalayim, un grand endroit, où Bet Yazek a été nikret. Elle s'appelait Bet Yazek. C'était le nom de cette grande cour, de ce grand espace là-bas, où les Sham Kol Ha'edim Mitkansim. Et là-bas, tous les témoins qui arrivaient à Yerushalayim pour témoigner se rendaient là-bas, à ce Bet Yazek. Bet Yazek, il y en a qui expliquent que ça vient du terme que c'était un terrain encerclé comme ça, qui était fermé par des barrières. Et là-bas quoi, ou Bet Din Bodkin Otam Sham. Et là-bas se trouvaient des Dayanim, des juges, qui vérifiaient les Edim, les témoins, est-ce qu'ils étaient des bons témoins ou non pour témoigner. Et là, le plus important, Usudot Gdolot Osim Lahem. Et là-bas, on leur faisait des grands buffets, des grands repas. Les Juifs chez Yorigel Lavo, afin qu'ils aient l'habitude de venir. On avait un grand intérêt à motiver, à stimuler les témoins. Est-ce que lorsqu'ils arrivent à leur donner plein de kavod et de plaisir aussi à participer à un bon buffet avec toutes sortes de médélicats, comme ça, on assure que pour la prochaine fois-ci, ils se diront, ça vaut le coup de venir au Shalaïm, on est reçu comme des rois, on fait plaisir, on mange bien, et voilà. Barishona, alors maintenant le Mishnah continue à me raconter. Barishona, loyu zazim misham, kolayom. Au tout début, dans un premier temps, les témoins, lorsqu'ils arrivaient, qui témoignaient, ils restaient ensuite sur place dans ce Bet Yazek, pendant tout Shabbat. Alors c'est sympathique de se retrouver devant un bon buffet, mais quand on fait que de manger pendant tout Shabbat, franchement, ça devient un peu lourd. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fallait rester sur place? Parce qu'il y a une halakha que, à Shabbat, on a tous un Troum Shabbat. On est tous limités dans un certain périmètre. Chacun, selon dans sa ville, avec 2000 amas autour. Mais il y a une halakha compliquée dans les ruines. C'est que si on est sorti du Troum, on a dépassé la limite permise. Bon, donc c'est sur place, on touche à battre dans les 4 amotes. Uniquement dans les 4 amotes, dans les 2 mètres carrés. Et là, spécialement, bon, alors là, apparemment, je crois que lorsqu'ils sont dans l'enclos, ils ont le droit de rester dans toute cette pièce, ils n'ont plus le droit de sortir dans la pièce. Et c'est assez contraignant, parce que si finalement vous êtes enfermé dans une très bonne cuisine à manger, combien vous pouvez aimer la nourriture, il y aura un moment où ça y est, quoi. Vous avez envie de sortir, vous en avez marre. Donc du coup, Itkin Rabban Gamliel. Rabban Gamliel a instauré Sheyu Me'alchin Alpaim Amalekol Ruach, qui pourront ensuite partir à 2000 amas tout autour de cet endroit, ou plutôt le Rambam écrit tout autour de la ville. Soit, en réalité, il faut comprendre, le Issur Troumin, il y a une part des Oraita, une part des Rabbanan, c'est assez complexe. Mais concrètement, en tout cas, Ramim ont la possibilité de lever un petit peu, partiellement, moi, cet interdit en l'occurrence, Rabban Gamliel, pour ne pas que les témoins qui arrivent se sentent trop opprimés, même s'ils sont bien reçus avec de la bonne nourriture, mais ils ont envie quand même de partir un petit tour dans la ville, de sortir, se dégourdir un petit peu, et ou digérer, même puisqu'ils mangeaient trop bien. Et puis du coup, donc, Rabban Gamliel a instauré, lorsqu'ils arrivent, on leur donne aussi 2000 amas, on ne les limite pas que à leur place. Velo elo bilvade, pas cela uniquement. Et la afa chachama ba la yaled, mais même la chachama, la sage-femme, qui vient faire accoucher une femme, ou encore Baba Latsil Minadeleka, celui qui va venir pour sauver d'un incendie, ou Minagaïs, ou bien de lutter contre des gens qui veulent se battre, quoi, combattre.
dans une guerre, Gaïs, enrôlé donc, contre un régiment, Vechen ou Minanar, ou bien pour sauver du fleuve qui est en train de déborder, il a fallu sauver d'urgence, ou Minamapolet encore d'une avalanche, donc il y avait un intérêt, il y avait une nécessité d'aller sauver tout de suite. Moi, j'habite tranquillement dans ma ville, on m'a dit, ouais, mais tu fais sortir du trou et partir là-bas à 5 km. Je suis parti, parce qu'il fallait aider. Mais après quoi, je me trouve bloqué, j'ai plus le droit de bouger des 4 mottes. Là où je suis, j'ai plus le droit de sortir jusqu'à la frontière, c'est très compliqué. Alors quoi? Alors, Are Elouk, alors sur, même sur eux, Rabban Gamliel il a instauré que Are Elouk et Anche Haïr, ils auront le même statut que les habitants de la ville. Yashlem, Alpaïm, Amel Kolroar, dans ce cas-là, ils ont droit au périmètre de 2000 amas, tout autour de la ville même, pour pouvoir se bouger. Le partenariat rapporte, étant donné qu'ils sont sortis birchout avec permission, parce qu'il y avait une mitzvah de venir aider, ou de venir témoigner, ou de venir pour tous ces gens qui sont sortis pour de bonnes causes, eh bien, Khamim ont instauré que dans ce cas-là, on leur fait acquérir tout de suite le lieu dans la nouvelle île, la ville, comme si c'était leur lieu a priori du Shabbat, et qu'ils ont le droit, dans ce cas-là, de partir 2000 amas tout autour de la ville. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.